en question. Merci, bon après-midi, Monsieur le Président. Pour votre information, j'irai sûrement jusqu'à la pause de cet après-midi. Et je verrai à ce moment-là si j'ai pu finir ou si je demande 10 minutes en plus. En sachant que du côté des parties civiles, ils auraient besoin de 30 à 40 minutes, je crois. Voilà, Monsieur le témoin, je voudrais vous poser quelques questions sur le 17 avril 1975 et ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous avez dit devant les juges d'instruction être entré à Phnom Penh environ 3 jours après la prise de Phnom Penh. Est-ce que c'est correct? Et à ce moment-là, est-ce que vous avez rejoint votre bataillon à Phnom Penh? D'accord. Est-ce que vous étiez à ce moment-là avec Sun Ri? Sun Ri, c'est quelqu'un que vous avez connu, je crois. Est-ce que vous étiez avec lui? Ça me fait tout. Nous sommes en bas, nous sommes en bas. Est-ce qu'au moment de la célébration de la victoire à Phnom Penh, vers le kilomètre 6, est-ce que dans votre bataillon sur place se trouvait également un dénommé Sun Ri? Et je vais épeler S-U-O-N et puis un autre mot R-I ou bien R-Y. Sunri, Sunri. Je ne suis pas sûr de bien prononcer, monsieur témoin, mais je crois que c'est plutôt Sun Rey, S-U-O-N et puis R-E-Y, alias Kat Khan. Sun Rey, Kat Khan. Donc vous étiez au kilomètre 6, est-ce que vous avez vu la population venant de Phnom Penh passer devant l'endroit où vous étiez au kilomètre 6? Mais
Est-ce que vous les avez vus passer, les évacués sur la route où vous étiez au kilomètre 6? Est-ce que certains membres de votre bataillon étaient chargés d'interroger les personnes qui passaient sur la route pour faire le tri entre d'anciens militaires de l'ONOL et la population ordinaire? Bạn đang khó trong nó và khi nó chèn nó to tớm ta trong cái vừa sự cam học kia từ lừ vừa là nó cứ nhưng mình bạn đang khi người ta chèn và je voudrais quand même faire une tentative et lire une partie de la déclaration de Sun Rai au centre de documentation du Cambodge. C'est une déclaration qui date du 2 février 2003 et qui porte le numéro IS19.192. Et l'extrait que je voudrais lire figure en Khmer à la page 000 55 292 jusque 293. En anglais, c'est aux pages 18 et 19 et en français aux pages 14 à 15 de ce document. Je ne vais pas demander de le projeter à l'écran puisque monsieur le témoin n'aura pas vu, mais je voudrais lui demander de réagir par rapport au contenu de ce que Sun Rai a dit. Et voilà ce qui apparaît dans ce document. Question: est-ce que les soldats de l'ONOL étaient camouflés? Réponse de Sun Rai: oui, ils étaient camouflés, dans le sens où ils ne portaient pas leurs uniformes militaires. Ils étaient habillés en civil. Et plus loin, ils pouvaient se fondre dans la foule des habitants. Question: est-ce qu'on pouvait les repérer? Réponse de Sun Rai: non, on ne pouvait pas les repérer. Mais parmi eux, lorsqu'on interrogeait, certains tombaient sur des soldats. On soupçonnait. Normalement, entre les gens qui ont été soldats et les habitants, en interrogation, quand on soupçonnait, on interrogeait. Par exemple, on interrogeait les commandos. Question: quand les Khmer Rouges rencontraient ces gens-là, comme les commandos, les anciens soldats de l'ONOL, par exemple, qu'est-ce que les Khmer Rouges faisaient alors? Réponse de Sun Rai: à l'époque, ils les arrêtaient, ils les retiraient. Quand c'était des soldats de l'ONOL, ils les retiraient systématiquement. Ils ne les déportaient pas avec les habitants. Je saute un passage. Ensuite, ils les regroupaient ensemble d'abord. Ils les mettaient dans un endroit en attendant. Tout cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Fin de citation. Ce passage de l'interview de Sun Rai. Monsieur le témoin, vous avez rejoint votre bataillon après les autres. Est-ce que vous confirmez vous-même que vous n'avez pas vu que ce tri entre population normale et soldats de l'ONOL était opéré par certaines personnes de votre bataillon? Cứ khi ông ở bàn đằng trong bàn chạy thả đó thì hiện nay lại vừa rất
đòi lại cho nhà nó nhóm mình bàn đắng rồi nhóm cào trong đó nó từ kỳ từ vô bị cào kỳ để bàn từ đó cả lại nữa mà nên là khơi người chân Merci. Je vais passer à une autre période. C'est la période où vous avez travaillé pour le commerce. Et je vais revenir à votre biographie que je vous ai donnée tout à l'heure. Je porte donc la cote 19.177. Et à la page 2, toujours le tableau avec les dates. Il est écrit 15 mai 1975, ouvrier à Kampong Som, commerce. Je signale au passage qu'en français, la version française, il est marqué 15 mars 1975, mais c'est visiblement une erreur. C'est bien 15 mai 1975 qu'il est marqué en Khmer. De même que dans la traduction française, les mots Kampong Som n'apparaissent pas. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous nous avez déjà dit que vous aviez travaillé à Kampong Som. Est-ce qu'effectivement, ce qui est marqué dans la biographie, dans votre biographie, à savoir que vous êtes parti vers le 15 mai 1975, correspond à la réalité? ມາກະໄດ້ປໍຈໍາຫຼາຍໃນក្នុងສຸມນູຈັ່ງອັນນັ້ນຄືວີມັນບານຄົບແລະຄະນະກໍເປັນແມ່ນປານໃດຫຼາຍຂ້ອຍຈ້ອງໄປເຈີອັນພິການປິດຂອງຂ້ອຍຄືຂ້ອຍໄດ້ບານຕະໃນກາຍນັ້ນກໍພ້ອມສອງບານຍຶດໄປ Très bien. À partir du moment où vous étiez transféré à Kampong Som, est-ce que vous étiez là encore en tant que militaire ou bien en tant que civil au service du commerce? Bạn đã rồi này thì còn vòng sống từ phương cả chức cam có mà lì xanh thì cả rồi này là lần lứa tại đó phương cả trên việc làm lần lứa tới cái đất lan và chun từ của vòng khè vòng sống mà xong mọt mà vậy đồ chịu win kia bị vỡ và người ta vỡ người ta châu mau vòng pel prăng chết đò mau anh đọc mua giá dương trời cái đồ vỡ mà vỡ trùng đem viên lo thì dục thì tới cô biết đồ kia về tới chịu vỡ và Merci. Alors, à la page 2, en Khmer du document E3-363 que je vous ai remis tout à l'heure. Donc, page 2 en Khmer, page 2 en français, page 3 en anglais. Vous aviez précisé ceci devant les juges d'instruction. Au début, nous étions chargés de débarquer du Padi, des bateaux chinois. Je tiens à préciser que ces bateaux disposaient de 90 automobiles à l'étage supérieur. Or, à l'intérieur des bateaux, il y avait du padi et d'autres matériels, tels que des pioches, des pelles, des insecticides. Donc, si je comprends bien ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction, peu après l'évacuation de Phnom Penh et des autres villes, du padi était régulièrement déchargé de bateaux chinois. Est-ce que c'est correct? ปาลจันสายหรือตําแหล่จันถ้าตรําตรึกได้เด้ฮังกอเด้สมชื่อสายมีสรายเด้ไปจิ๋งกอหมอให้อ่าระบบตกนําข้างกลางนู้นโดยบ้านเลือกหลังเด้มีสมระเซ็งๆครบหมดทั้งอ้อยว่าจอบปาลซอยๆเติ้ลนําให้โดยการเลือกหลังเด้ตรําตรึกอ่ะว่า ហើយខាងលើផ្ទុកឡានជួយមែនឡានវាក្រេតូចៗ90គ្រឿងកប៉ាល់វាធំណាស់នោះគេទៅវា 130 ម៉ែត្រណា
ដោយវាក្នុងលឿងអញ្ចឹងយារ៉ូពីយូងងាឡានទៅលើកចូលអស់ទៅបានបើកគ្រប់ឡើងមានអាប្រដាប់យូងគេមកដាក់ឡានទៅកម្មកោយើងអូសទីមកដាក់ក្លឹងគេនៅមាត់សមុទ្រនៅដែរ Très bien. Lorsque vous étiez sur place avec votre ancien bataillon, y a-t-il eu des arrestations dans votre unité lorsque vous travailliez au port de Kampong Som? Est-ce que Tabeng était toujours votre chef à ce moment-là ou est-ce que entre 75 et 76, vous étiez à Kampong Som. Kampong Som, est-ce que vous avez changé de chef? Merci. Alors j'en viens à votre période à Phnom Penh ou aux alentours de Phnom Penh. Et d'après votre biographie, vous êtes revenu, toujours à la page 2 de la biographie, le 28 mai 1976. Et est-il correct de dire que vous avez travaillé à plusieurs endroits différents, à Phnom Penh d'abord, et puis vous avez déjà parlé du kilomètre 6 ou de Chreng Chamre, et de Thul Thum Phung. Est-ce que vous avez également travaillé à Tak Mau à un certain moment? Votre biographie dit aussi qu'après Tak Mau, vous seriez revenu au kilomètre 6. C'est ce qui est marqué, ce qu'on dit le 17 mars 77, kilomètre 6, et 28 mai 77, ouvrier à K51. Est-ce que vous avez travaillé au kilomètre 6 ou à Chreng Chamre à la fois avant et après Tak Mau? D'accord, merci. Vous avez parlé du fait que vous deviez transporter du riz et du ciment à Chreng Chamre. Est-ce que ce riz que vous mettez dans des trains était, disons, à qui était destiné ce riz? Était-ce pour la consommation au Cambodge ou bien c'était du riz qui était exporté? Bà con có chỉ món cứ
Khi mình đang đặt một vị nam thế còn là đi tránh thì thể phương mà đã stop mình lượng này tới anh có tranh đi cả lên để thì cần mà sinh thông mà lệch nó làm lại cứ từ tranh từ cả tạm tới cả ly đã lan đã từ phương mà lệch tranh từ cả Ok, xong rằng vô lo là bạn người ta lên pi thôi là lo lên mu vậy thôi nhưng mình đăng thay vì cả ô tiền đi xài Et lorsque vous étiez à Shreng Chamré, est-ce que vous étiez toujours un simple porteur comme au port de Kampong Som ou bien est-ce que vous étiez maintenant un autre poste? Est-ce que vous étiez le chef de plusieurs hommes? Quelle était votre fonction exacte? Je voudrais vous lire un autre extrait de la déclaration du procès-verbal interrogatoire devant les juges d'instruction que je vous ai déjà communiqué. C'est le document E3/363. Alors, c'est à la page 3 et 4 en khmer, 4 en français et 3 et 4 en anglais. C'est un passage qui parle d'arrestation. Voilà ce que vous avez dit. La première question étant, à Shreng Chamré, y avait-il des arrestations? Vous avez répondu, oui, il y en avait. On disait aux responsables, c'est-à-dire chef, chef adjoint du bataillon, chef, chef adjoint de compagnie, et après au chef de la section, d'aller suivre des formations. Parmi toutes ces personnes, aucune n'étaient revenus. Elles ont toutes disparu. Ensuite, il ne restait plus que le chef du groupe et de simples ouvriers qui étaient plus tard convoqués à une réunion tenue dans un endroit près de Wat Phnom. Puis je saute un passage et vous continuez. Après la nomination du nouveau chef de groupe et après l'arrivée de ce dernier, nous vivions aux alentours de Psa Cha, mais nous travaillions toujours au kilomètre 6. Fin de citation. Alors, ces arrestations de responsables locaux à Shreng Chamré, certains de vos chefs, est-ce qu'elles ont eu lieu? Est-ce qu'elles ont bien eu lieu avant la réunion durant laquelle la trahison de Thuc, T-H-U-C-H, a été annoncée près de Wat Phnom? Mà tâm thời đó, cô lòng tới cho chấp bị thông con tôi về che bộ mô hai từ ri nơi ri nếu người ta từ ri nơi ri sống đó tới bạch tới con miên tôi lòng một mình nhớ tới vì ở tới bên nơi cam mà co sẵn sàng tới ban kỳ bộ mô vô lan đặt cho một vật nùng che mền một ri cho mài crom con ngồi anh nụ sinh na tôi với xa đa mình xong rạp cam mà co thôi càng nghe bà to thì Merci. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi votre supérieur, c'est-à-dire le chef, chef adjoint du bataillon, chef, chef adjoint de compagnie, avait disparu ou avait été arrêté? Non, puis bị chung rồi cho mà anh chỉ crom chỉ còn nó sẽ là tôi xong rạp cục cơm cả mà có lý sai còn to từ tên nó kim bàn phạm đá thì tha lục coi khôn hai thứ hai khôn ý chỉ nè có bọt
ខ្ញុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងដើម្បីថាអ្នកខាងក្រោមគេមិនបានប្រកាសទេប៉ុន្តែគេថាជាបណ្ដាញរបស់កុយឃូនេះឯងបានគេត្រូវដកចេញឲ្យអស់ Est-ce que cette réunion à laquelle vous faites allusion concernait uniquement des gens qui travaillaient pour le ministère du Commerce? Et qui l'a présidé? Qui vous a parlé de Kolthoun à ce moment-là? បាទផ្លាស់មកពីភូមិភាគនេះឡើយទទួលបន្ទុកហ្នឹងថាខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសហ្នឹងបានមកប្រជុំរៀបចំហ្នឹងថាក្រុមកងអនុសេនាតូចដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មកររស់នៅនៅក្នុងចិត្តវត្តភ្នំផ្សារចាស់នេះឯងប៉ុន្តែធ្វើការនៅគីឡូលេខ 1 Est-ce qu'à cette réunion où on a annoncé que Kolthoun était un traître, est-ce qu'on a parlé d'autres personnes qui occupaient des fonctions dans la zone nord ou dans votre division d'origine? មកមិនលឿនយាយតាខាងក្រោមទេក៏មកគាត់ខូនទៅមានយាយតាចំពោះអីលោកអឿនចាញ់មេកងពលគេបាទកងពលធំគេនៅក្នុងភូមិភាគនោះបាទក្រោមជាការក្រុកក្រងថាទូទាំងប្រទេសហើយលោកអឿនចាញ់ កងពលធំវិញហើយក្រៅពីនោះបើថ្នាក់លើទៅវិញខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រាន់តែគេនិយាយថាគេហៅថាបងលេខ1លេខ2ដឹងណាគេអត់បញ្ចេញឈ្មោះផងឆ្នាំនោះឯងដែលប្រជុំរៀបចំគេនិយាយថាបងលេខ1លេខ2ហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរ Pour que ce soit bien clair dans votre déclaration devant les juges d'instruction, vous avez parlé de cette réunion, vous aviez dit, peut-être que je vais citer, Laurent Khmer, c'est 00-23-60-33, toujours dans la déclaration, dans le procès verbal E3-3663. Donc je répète, Khmer, 00-23-60-33, en français, page 4, et en anglais, page 4. Vous parlez de Tarit et vous dites, pendant la réunion, il disait que Kolthoun alias Tuk, alias Khoun, secrétaire de la zone nord du ministre chargé du commerce extérieur, était lié à la CIA et qu'il avait projeté de faire un coup d'État pour renverser frère numéro 1 et frère numéro 2. Le chef de l'armée, le chef de la division de la zone nord, qui s'appelait Eun, étaient ceux qui dirigeaient l'armée pour ce coup d'État, mais ils étaient tous arrêtés successivement. Fin de citation. Donc quand vous parlez de frère numéro 1, frère numéro 2, vous confirmez ce que vous avez dit, c'est-à-dire que Ritz a affirmé que Kolthoun avait préparé un coup d'État contre frère numéro 1 et contre frère numéro 2. Le chef de l'armée, le chef de la division de la zone nord, qui s'appelait Eun, Merci. Je voulais savoir, quand Ritt a parlé de la trahison de Kolthoun, est-ce qu'il a mentionné que Kolthoun avait fait des aveux par rapport à ce projet de coup d'État? Je
អរគុណលោកប្រធានសមាសជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសូមអរគុណសុំទោសត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំមកអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានដោយមិនចាំអស់បាទក៏នេះដឹងតែចំណុចចំណុចប៉ុណ្ណោះឯងដែលបានលើកឡើង Très bien, pas de problème. Est-ce que vous saviez à l'époque, lorsque Tarit a mentionné que Koytoun alias tout était lié à la CIA, est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire, être lié à la CIA à l'époque? Thank you, Mr. President. សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំជំទាស់សំណួរនេះដែលហេតុថាសំណួរនេះក្រៅវិសាលភាពនៃសវនាការសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណលោកប្រធាន Monsieur le Président, je crois que cette objection n'est pas fondée. D'une part, on parle du ministère du Commerce et on sait à quel degré ce ministère peut avoir été lié à un des accusés. Deuxièmement, on parle également de politique vis-à-vis des ennemis. Et troisièmement, je rappellerai aussi que Ro Soi, qui était un témoin de la défense, a longuement parlé de ce type de sujet. Et donc, pour toutes ces raisons, il me semble que l'objection n'est pas fondée, devrait être rejetée. Monsieur le Président, je បាទរញ្ញំទោះនឹងសំអាងហេតុរញ្ញំទោះរបស់មេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកកឿនរុនជាដែលចំទោះសំណួរនេះគឺមិនសមស្របទេដូច្នេះស្តីរញ្ញំទោះនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយមេធាវីហើយដោយតំណាងតែប្រញ្ញាអមាញ់មិញនេះប្រសិនបើលោកនៅចាំសូមឆ្លើយសាក់សី มาក្នុងសំណួរនេះខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតែក្រនេការលើកឡើងរបស់លោករិទ្ធនៅឯងគាត់ថាកុយឃូននេះជាខ្សែបណ្ដាញរបស់ CIA គឺអាមេរិកកាំងជាហ្មងវានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្សែហុយខាណាខាងនេះគឺមិនដឹងទេព្រោះជាសាមញ្ញបាទ Merci. Qu'est-il arrivé par la suite au sein de l'unité dans laquelle vous travaillez après donc l'annonce de la trahison de Koytoun et de Eun? Est-ce qu'il y avait un climat de peur qui s'est installé ou non dans votre unité? បាទសូមជម្រាបលោកជាអ្នកបានច្បាស់ថាការភ័យខ្លាចគឺមានតែក្នុងសម័យសង្គមនោះគឺយើងមិនអាចកិច្ចវេះនឹងឆ្លើយតបការពុតពេញឲ្យយ៉ាងម៉េចបានដូច្នេះគឺចេះតែទ្រាំបាទនឹងរត់គេចគេចមិនរួចដែរបាទ អញ្ចឹងចំពោះរឿងខ្ញុំបានជំនុំគ្នាមិនមែនធម្មតាទេនិយាយត្រង់
រត់ចោលរត់តែបើគិតពិចារណាថានឹងរត់ទៅឆ្លងប្រទេសមិននឹងទៅដល់ណាមកចេញដល់ពីកន្លែងនេះដល់កន្លែងនោះគេតែអត់ស្គាល់គេដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងត្រឹមបាទទោះតែដល់ថ្ងៃរំដោះទៅបានដឹងថាអូមានសភាពខុសគ្នាបាទវាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាព Merci, monsieur le témoin. J'en viens alors à la dernière période. Vous avez travaillé sous le ministère du Commerce, et je crois que c'était jusqu'à la fin du régime. C'est à Tultumpong. Pourriez-vous nous dire le poste que vous occupiez une fois que vous étiez à Tultumpong? Est-ce que vous aviez été promu à ce moment? បាទខ្ញុំមិនលើកបាំងមានតំណែងគេឲ្យទទួលជាមីក្រុមដែរបាទកន្លងទៅធ្វើការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផ្នែកលើរបស់គេគឺញៀងខ្ញុំសូមបកស្រាយនិងនិយាយបញ្ចប់សេចក្តីរឿងដែលការរស់នៅក្នុងតំបន់ទូលទៅភូមិជាការងារសម្រិតសម្រាំង បាទចំពោះរឿងរូបខ្ញុំតើគឺសម្រិតសម្រាំងសំឡេងគោមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំពោលទូទាំងប្រទេសដឹកពីភូមិភាគពីយកតាមអាទេសភ្លើងមួយខ្សែមួយខ្សែមកយ៉ាពីបោពីដឹកមកតាមកប៉ាល់មកទាំងខ្សែឲ្យភូមិភាគដនេះគឺឡានយ៉ាបានសុទ្ធតែឡានខ្សែឲ្យជំនន់នោះបាទយ៉ាខ្ញុំនៅនឹងវត្តណែងគេឲ្យ មឺម៉ាស៊ីនដែលវាយអាសំឡេងគោនេះបុណប់គ្រឿងតែកណាវាយទៅការច្រកបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលវាដោយថ្មឬក៏តិចឈើចាក់ព្រោះទៅជួនកាលបាក់ធ្មេញម៉ាស៊ីនថ្ងៃ10ថ្ងៃ20ថ្ងៃ30ក្នុងមួយខែគេសម្រាប់3ថ្ងៃ10ថ្ងៃឈប់ម្ដងគេត្រូវលោកតារិទ្ធនេះគាត់ ជាប្រធានគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសនឹងក្រៅប្រទេសផងគាត់មកប្រជុំបាទប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាមិនលើកពីរឿងបាក់ទេតែគ្រាន់ថាសព្រាមួយឲ្យតែបាក់ខ្មាំងគឺមិនទាន់អស់អញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងខ្ញុំវាមានការភ័យព្រួយមិនដឹងនិយាយថ្ងៃណាទេដែលយើងអាចឆ្លងផុតពីលងនេះកិច្ចវាអត់រួចបាទ នេះបញ្ហាមួយបញ្ហាពីរទៀតក្រោយមកប្រធានក្រសួងជានារីដែលមកពីខាងភូមិភាគនេះដែរបាទឈ្មោះមិថាអាយុ 18 ឆ្នាំទើបតែបានកូនមួយឈ្មោះមិជាកន្លងទៅជាប់ពន្ធថាជានារសាលរបស់លោកតាញ៉ែមដែលគេដកចេញ ដែលឡើងតរិទ្ធនេះទីថាដកតញ៉ែមចេញនៅកំពង់សោមអានេះខ្ញុំក៏សាដានបន្តិចបាទនិយាយទៅជាណែឯងក៏នៅស្រុកស្ទូងជាមួយខ្ញុំដែរបាទនៅក្នុងឃុំជាមួយខ្ញុំដែរឈ្មោះនោះហើយបានគូសាឲ្យគេរៀបឲ្យគ្នាជានារសាបលានដល់ពេលគេដកអា លោកញ៉ែមនេះទៅចាប់បាត់ទៅញ៉ែទៅឡើងកើតនេះមកមានតំណែងនេតិនិយាយទៅថ្ងៃមួយមិថាណែឯងក៏ជប់ជាគេដកតហុងបន្តផ្ទើមកមានតហុងឯងក្រោមតរិទ្ធក្តាប់ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសដែលនៅទូលទៅពូងដល់បាត់តហុងនេះទៅមកជប់មិថាដល់មកជប់មិថាថ្ងៃមួយធ្វើការលីសែងគេជួយអូសឈើអូសព្រៃពីក្នុងវត្តទូលទៅពូងណែអាចធ្វើ វេងវេងតែទៅមិថាបានបកដៃហៅមិជាមិជាមិនណេះមិនភ្លេចចេញមកក្រៅទៅមើលឈើនោះបន្តិចមកកើតធ្វើឲ្យខ្លឹងកើតឬក៏អត់ម៉ោងជាង 10 ហើយចិត្តឈប់ធ្វើការខ្ញុំក៏លេងមើលតាមអាច្រកចេញមុខវាវត្តយ៉ាងហ្នឹង
ខ្ញុំមកដល់ទីនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរៀបចំកម្មវិធីសេរីភាពយើងមកស្ទឹងមានជ័យតែលើខ្ញុំវិញហើយអត់ស្គាល់លក្ខណ៍ដឹងនេះរបស់យ៉ាតើរីចម្រើនណាបងយ៉ាតើខ្ញុំលក់មានមើលពីក្រោយឃើញឡានមែនឡានអាស៊ីមសួរគេកូនលេខក្រហមតូចតូចដាក់តាសមួចចិត្តសិបយ៉ាមកមិត្តជាដល់ដល់ភ្លឹបភ្លើងក្លេបជួងខ្វោកឡានឡាន គ្នាពីគេបួនអ្នកប្រាំអ្នកនឹងតកងបិទគ្រប់បឹងបាត់ក្រោយមកខ្ញុំថ្ងៃល្ងាចអង្គុយជំនុំគ្នាឯងស្ងាត់ស្ងាត់យើងអត់ដឹងថ្ងៃណាទេអត់មានហេតុចេញវិចារទេខ្ញុំសូមរាយការណ៍ឲ្យវាអស់ហេតុផលបានថាអំពើទាំងឡាយនេះត្រូវអត់រួចទេខ្ញុំអស់សេចក្តីវិចប់ត្រឹមថ្ងៃដុំ7មីនារដែលទៅរត់ចេញបែកបាក់គ្នាពីភ្នំពេញទៅណែ រត់ធ្លាយឡើងដល់រ៉ាល់អីទៅបានធ្លាក់ដល់កោះកុងកំពង់សោមត្រឡប់មកវិញដែលវៀតណាមគេបានក្មួយរត់ចូលដីថៃហើយតានោះនោះប៉ុន្តែទៅចេះវៀតណាមនៅស្កាក់មុខបានមកគេយួរមកវិញមកនឹកឃើញដល់អូស្រាច់យួនចូលងើបបាត់បានសម្រាប់សម្រួលបន្តទៀតសំជិញលោកដំណាងថាវិញណា Merci pour toutes ces précisions, monsieur le témoin. Nous allons essayer de revenir sur un certain nombre de choses que vous venez de dire, mais en nous limitant à tout le tumpung pour le moment. Je voudrais simplement relire, pour qu'il y ait plus de précisions, ce que vous avez dit dans deux procès-verbaux devant les juges d'instruction à propos de ces réunions qui se tenaient tous les 10 jours avec Van Riet. Alors, le premier extrait provient du procès-verbal que vous avez déjà, E3-363, à la page 5 dans chacune des langues. Et vous avez dit ceci, je cite, « Dans cette entité, une réunion interne se tenait tous les 10 jours à laquelle participait également le dénommé Rit. Ce dernier disait à la réunion, les ennemis ne sont pas encore tous éliminés, ils sont en train de ronger de l'intérieur le parti. Il faut continuer notre surveillance, ils détruisent même une cuillère sans parler des choses importantes. » Fin de citation. Et je voudrais lire un autre extrait de l'autre procès-verbal d'audition qui porte le numéro E3-472. Qui date de quelques mois après l'autre, et c'est à la page 3 dans chacune des langues, avec l'autorisation de M. le Président, je voudrais pouvoir donner ce document aux témoins et peut-être projeter à l'écran cette page 3 en khmer, en anglais et en français. Alors, concernant cette même réunion, vous dites ceci. Au cours de la réunion, Ta Rit a demandé à tous les ouvriers de bien respecter la discipline établie par l'encart et de surveiller les activités des ennemis. Et à la réponse qui suit, Ta Rit a soutenu qu'il y avait des espions et il fallait donc continuer des arrestations. Fin de citation. Donc vous avez dit que Van Riet parlait des ennemis. Est-ce que vous confirmez qu'il a dit qu'il fallait les surveiller, les arrêter ou les éliminer? ខ្ញុំបានជម្រាបសាខាងដើមដែរតែມັນអាចចាំបានគ្រប់កន្លងទាំងអស់ទេគ្រាន់តែលើកគោលគោលត្រង់កន្លែងណាដែលវាចំណុចសំខាន់ខាន់ជូនទៅលោកប្រធានអង្គចក្រមបានក្រាំបាទ Merci. Est-ce que vous vous souvenez si Van Riet, ou pardon, Ta Riet, lorsqu'il parlait de ses ennemis, est-ce qu'il a fait référence à
la politique du parti ou les ordres donnés par l'échelon supérieur du parti. Quand ban lực lang chạy mền ấy, thằng ta trời tam đán, sa cam áp phiệp vọc mang đại biệt si rung tịch không bực cọp ấy, phơi oi, ta bom phanh đỏ bạ bạ để vượt bỏ cái này cứ trời tệ miền việt thiện cả tam mọi trước chạm ở bàn chạy mền phật này, mà không dùng niệm sanh. À part l'épisode, vous avez vu que Chia, qui était donc le messager de Niem, et vous avez dit que Niem lui-même avait été arrêté auparavant. Ah, donc à part cet épisode, vous avez vu les camions ou les véhicules qui ont transporté Chi. Est-ce que vous avez revu ces véhicules par la suite revenir dans le cadre d'autres arrestations? Và coi món cái thà làn nó chạm bị đập một chia phật tới cái thà hốt đó ngày đó cứ về to bắt đầu món cái từ phật phật bị để từ chạm những cái lại để khi mà anh khơi mà anh đằng và et avant que Chi soit arrêté, est-ce qu'il y avait des gens qui disparaissaient dans votre unité à Tultumpung? Và xong chia sẻ. Cái vì ca chạp chung chia phật tới ông mùa dựa tới vì ai chlong riêng đá đo rụng như mặt tờ đá mà bọn ta đòi dùng từ ta mày thì ta còn bọn đó hình như bàn chúi bàn rủ dàng tới ngày nó nhung từ xung rạp về bà rái mà ra về cái hai về bờ mũi mà ra nó mất tự lý nó giờ tới về rồi à một cái buồn nè đó từ ngày trên mùa này nhóm từ chụp mà nơi mà cái lại cái xuồng bên này chỉ cắm miên khe tập pi nữa chỉ mùi đừng một xuồng rơi hai khăn thì ấy dễ khi miên cầu xa nhóm nơi lì tê số mai nô và nhóm xong lực liệt đáng tạm hại họ là bạn chưa bác lứa mà đó dục láng nhầm nấc từ đây pet vú nấc ký chân đà tới từ liền ký từ rồi dày nè cả đây tới đôi chai đón bàn kia gì pram thượng làm phấp tạc nhóm tới ở pì nè rồi đôi pì cái thà lực láng thà về mang bọt tiền nó mà mặt nè mình thơm mà đà thì đó mệt rây nè bàn pram thà đừng thử mà chế mệt ảnh còn che cho ao dũng bò mùi thà thư dòng mấy vậy bò dương rốt tranh của tây nam với ọt rùi đi không sao mai nô cái anh tam khi tới bộ ngọc của mình đang thử mấy cái ai còn bật tu nó chân nung khi anh ngặt ngặt về dụng này anh thà tới một chum đang bật thiền tì tới rê ca trăng luôn anh tới phạm hay cả ta vì ai kịch rồi phật vì nó khiêng cả sập này bàn rồi có ọt nhóm của phật đại nhà tam kỳ đá là khởi thai với ọ hả của dương rốt rốt rồi đại em nhé miền mô đôi tam bịa tha đó nhóm đa mô nhé cái đa dụng mô mong hai dụng bờ cái là dụng á mô bông bay á lấy ọt trăm hay là này dụng á còn kia ở tường thùng ra đấy một đó
chạy đơn á nơi ti con giấy vô phương nơi phương giấy đá dụng nhưng đa tạm vì thầy nó vô mê nô xung mây này nó chứ nên nó ngặt kì nơi là tạm tựa hình khu nê ngặt ở miền nô rê dạy khi ông gặp đồ đa mô rô xù tựa nó chú mô mê tha đại chì vật thiên nơi ri vật thiên tì nó đó mô chán phía xông tù vì tới người ta nó xông ngò xù khi ông ta mới đây nhé tha từ đây về đó trên mô xoa đang tha trên mô màu à bộ mùi hai ngày lịch thái đó trên quy linh càng không tiền gậy đạo mô xua tới nào muốn hả nè miền cây cào trong gì trong gì từng lượng làm thế bỏ chạy gì gặp kỳ tạm tròng tròng tha cùng non nay rồi bài ca để bàn lực lang từng bà man ông pi rừng bọc nhom từ lư nẹt hàng cầm để nhom thứ chi vật thiên cầm từ lư cầm mà coi che mũi cho mũi nó nhom pram thay nhá kia dụ của nó nhom cho na chiến đấy còn hai cái bòn cho nó pram bòn anh thắt nhom từ tam group tới tam ông ca về nơi và dòng play cha số mày nó và group ông ca về nơi chặt tăng về lừa bờ khiên ca chặt tăng dương khi mình hiền tề bờ khi mình thư tới tam ca chặt tăng nè nương bàn này ta khi ông ăn group ông ca về nơi rồi bọc bạc và nó hãy tròn phật mổ say láng ngựa đè nơi về lừa khi ông cha bạc chắp đọ khuôn mặt người ri đôi khi đẻ còn tới bị khan này đây đẻ người ri nó thư vật thiên bị lư nhom thiên thì vật thiên con bàn tha chợ sài nhom chai đòn đôi tha bờ dương dây không sợ mày nè ông thôn tha quần bon phơ lục chui đang mà nó bị trời bàn rồi và anh chế thì trời chắp bạt hai bát to tít ta rất nè mình phải chung nâng nô, phải chung nâng vượt, nâng tươi phía tôi tập phụng mà. Mất anh thằng ọc nha, mơ tôi lơ khơi như rụt phía bởi đại. Nà hiền tỏ, thơ mẹ nói, mẹ nói rụt cùng nụ, bởi tư xoay tư. Việc miên ca thì chúng ta làm tê, còn hãy cho, nhưng mình ai mất anh vay thế à, nê. Ọt dù ấy, tục ngay là môi thôi chê nhỏ phót kì dô mìn một đá. À mìn tao nó bị tiên bằng bắt hiền ấy. Ôi bắt tới kì dô thơm mô ấy, từ phư rung cha nó bị chùm nền chiêng. Nế hả? Thlên bì xùm đầy bò lục văn đất ấy, bàn ấy thà. Ọt mìn nà nà đại hiền ơ tế. Chùm môi nâng sừng cùng nô. Và chùm xùm ọt dù bò phần ánh chùm chọp ấy mà. Ọt. Merci Monsieur le témoin. Je vais vous demander pour le reste du temps qui nous est alloué jusqu'à la pause en tout cas d'être assez bref dans vos réponses. Comme ça je pourrai poser, aborder plus de sujets. Tout d'abord, pour résumer l'épisode que vous venez de nous dire, si j'ai bien compris, vous deviez normalement être arrêté. Et Sun Rei vous a prévenu et vous êtes intervenu auprès de votre supérieur, Madame Ta, pour vous justifier et donc vous avez été sauvé. Et vous avez dit qu'il y avait eu une autre arrestation à la suite de votre entretien avec Ta. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'après l'arrestation de Chi, il y a eu quand même d'autres arrestations, en tout cas au moins une que vous venez de mentionner? Miễn mà khiom đó như thế ta vẫn là khử mà số mà chia sẻ mọi tháng ấy việc từ xa cho xa lại mà anh ấy và như thế từ to cầm tận đó rừng không ngủ miền luộc đó cày mô Việt Nam chạm mùi mùi tê đó dù tới cày mô cứ chặt từng xẻ anh nó cái chong dây thà
ដល់ភូមិភាគបូព៌ាម្ដងហើយចាប់អស់ពីតិចដល់ច្រើនយកឡានរថយន្តក្រុងនេះឡានខ្សែធំនេះយកទៅដាក់ទាំងប្រព័ន្ធទាំងកូនហ្មងនោះជូនទៅណែមិនដឹងទៅខាងណាទេថាទៅធ្វើផ្លូវទេផ្លើងខាងកំពង់ស្វីយ៉ាងម្ដងបាទពេញនេះឡោះអត់ដឹងដែរអានោះទៅទាំងអស់ហ្មងយំក្រេវក្រពេញ Merci. Alors, concernant les véhicules que vous avez vus qui étaient venus pour arrêter Chir, ou en tout cas les véhicules dans lesquels Chir a été placé, ainsi que peut-être les autres personnes, est-ce que vous avez vu si ces véhicules portaient des plaques d'immatriculation ou des signes distinctifs? Et si oui, quelles étaient les inscriptions qu'il y avait sur ces véhicules? បាទសូមជម្រាបបន្តគឺខ្ញុំមិនបានឃើញមានផ្លាកដេកលុយឡានតូចមុនដែលចាំមិនជានោះទេគឺស្គាល់ថារថយន្តក្រុងជាមកព្រោះដាក់មនុស្សបានច្រើនបាទអ្វីនិយាយទៅចូលទៅដាក់យកមកហើយដាក់មកអត់មានណាទៅហ៊ានស៊ូអីទេគឺដោះតារៀងតែខ្លួនទេថ្មិចតែភ្នែកទេដល់ម៉ោងធ្វើការធ្វើរឿងគេរឿងយើង Merci. Je reviens à un autre sujet. Je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition. La date du 29 octobre 2008. Alors, c'est toujours le procès-verbal E3-363. Et ça concerne Kusampan. Alors, c'est à la page 6 en français, 5 en anglais, et en khmer, c'est la page 00-23-6035. J'espère que monsieur l'avocat peut vous aider à trouver le passage. Il est dit ceci, vous avez répondu ceci. Merci, Monsieur le Président. Je forme une objection parce que je remarque qu'au moment où il s'agit d'évoquer la personne de mon client, Monsieur le procureur ne pose plus de questions, mais il rafraîchit directement la mémoire du témoin. Je trouve ça anormal. Pourquoi ne procédez-vous pas, Monsieur le procureur, comme vous l'avez fait précédemment, en posant des questions et ensuite en rafraîchissant la mémoire du témoin s'il ne se souvient pas? Monsieur le Président, je suis tenu par le temps et cette manière de procéder a été encouragée fermement par la Chambre à plusieurs reprises, justement pour gagner du temps lors des débats. Je pourrais poser une question ouverte, mais je voudrais simplement lire un passage et poser des questions supplémentaires par rapport à ce passage. Je ne pense pas que ce soit une méthode qui soit prohibée devant cette Chambre.
បាទសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិកាលពីក្តីលោកគឺសម្ផនចំពោះសំណួរបែបនេះມັນធំត្រប់ទេពីព្រោះបញ្ហានេះកើតឡើងច្រើនដងហើយហើយយើងបានដោះស្រាយរួចហើយថាផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃកំណត់ហេតុបែបនេះគឺយើងអាចធ្វើដូច្នេះបានដូច្នេះខ្ញុំរំលឹកអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណៈអាចបន្តការតាំងសំណួរបែបនេះចំពោះសាធារណជនរដ្ឋបាល Merci, donc je vais lire le passage qui m'intéresse, monsieur le témoin. Vous avez dit ceci, ultérieurement en 1978, pendant que je travaillais dans la pagode de Tul Tumpung, j'ai vu Kyu Sampan, accompagné du dénommé Rit, venir inspecter les produits locaux tels que le soja, les haricots mungo, qui étaient préparés et sélectionnés avec soin pour être ensachés et pesé en vue d'être exporté à l'étranger. Fin de citation. Je voudrais juste d'abord confirmer une chose. Est-ce que vous avez vu M. Kyu Sampan à Tul Tumpung visiter les lieux une seule fois ou plusieurs fois? ពេលនោះគឺឃើញគាត់មកផលិតនៅផលិតផលມັນបានសម្រាប់សំណាលយូគឺដើរយ៉ាងរហូតតាមដងផ្លូវម្ដងដោយអមដោយលោកវណ្ណនេះឯងធ្វើដំណើរពីក្រោយបន្តប្រទើបទៅគឺមានពាក្យនិយាយថាកម្មករធ្វើការឯសារណាប្រលបនេះសម្រាប់សម្រាប់ចេញទៅបរទេសគឺខាងក្រៅប្រទេសយើង Selon ce que vous avez pu observer lors de cette visite, selon ce qui vous a été dit au sein du ministère du Commerce, qui de Kyu Sampan ou de Van Riet occupait un rang plus élevé dans la hiérarchie du ខ្ញុំមិនដឹងដែរនេះគាត់ថាបើនិយាយទៅក្រសួងព្រឹទ្ធាវិទ្យានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋនឹងឯងខាងក្រសួងត្រូវនៅក្រៅមកបាទមិនដឹងទេអានេះយើងក៏ស្មានគាត់ត្រូវនៅលើប្រវត្តិរដ្ឋនេះស្មានទោះដើរតែអោន Très bien, je voudrais aussi, Monsieur le Président, à propos des dirigeants du Kampuchea démocratique, lire un passage de l'interview qui a été donnée par Monsieur le témoin au centre de documentation du Cambodge qui porte la référence IS19.177. C'est un passage qui, en anglais, se trouve à la page 10, c'est-à-dire IRN 00679694, et en khmer 3x0 55227 00055227. Il n'y a pas eu de traduction en français à l'heure actuelle. C'est un court passage et je voudrais faire réagir le témoin par la suite. Et ça commence comme suit. Question de Dara. Ah, pardon, je mentionne, Monsieur le Président, avec votre autorisation que je vais signer, que je vais lire ce passage en anglais parce qu'il n'existe pas de traduction française. Alors. Merci.
Excusez-moi, tout ça est allé un peu vite pour moi, je n'ai pas eu le temps de noter le numéro de page. Est-ce que le procureur pour le répéter ? Oui, absolument. Alors en anglais, c'est la page 10. Et en Khmer, 000-55-227. Alors, je cite. Dara. Did you know who brother number two was? Answer from Tat. Tat got shy. Pol Pot, Kyu Sampan, Yang Sari, and Yun Shia were all top leaders. I didn't know who brother number two was among them. I only knew that Pol Pot was called brother number one. And then a little bit under. Yes, there were other leaders in their respective ministries. Apart from Pol Pot being the Prime Minister, I heard Sun Sen was in charge of the Ministry of National Defense. Yang Sari was in charge of the Ministry of Foreign Affairs. Nun Chia was in charge of the People's Assembly. And of course. Donc voilà, ça c'est un extrait de votre interview avec les personnes qui sont venues vous interroger en 2003, monsieur le témoin. Pourriez-vous nous dire, puisque vous dites que Pol Pot, Khieu Samphan, Yang Sari et Nun Chia étaient des hauts dirigeants, est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez appris que ces personnes étaient des hauts dirigeants sous le Kampuchea démocratique? Ba phong một chiều sải mình xây trăm bàn đấy trong chung nội những cái trăm bàn trong thập thiên nào đấy tại cần là dương mình hiện số tại cần là miền tiện gì càng cay để mì gì và tổ tự càng lười bàn phạm tại thà mì đất nằm thấm thấm đôi lục miền và sàn trẻ và Merci, Monsieur le Président. Je vois que l'heure avance. Il me reste à peu près 10 minutes de questions à poser. Je ne sais pas si vous voulez que la pause soit prise maintenant. Merci. បាទឥឡូវដល់ពេលសម្រាប់ហើយអមេរិកកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 នៅសូមអញ្ជើញជួលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការដំណើរការដើម្បីរដ្ឋបាលតុលាការតំរងរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំដែលមានអត្តសិទ្ធិដល់សាធិរួមនេះសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិទ្ធិកម្មនេះវិញនៅវិលៀមម៉ោង 3 ព្រមទាំងមានទិវាប្រឹក្សាគាត់ផងសម្រាប់ចុះ